Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, bon début de semaine. Je vais vous présenter une petite vidéo dans laquelle, en larmes, Gato International vous demande pardon. Il avait fait certainement une première vidéo dans laquelle il avait dit certaines choses qui ne tenaient pas. Avec l'émotion, il avait dit certains trucs qui ne tenaient pas après le départ de Cabrel. Donc aujourd'hui, il fait une vidéo pour vous demander pardon. Avant de vous présenter la vidéo, je voudrais attirer l'attention de mes jeunes confrères, collègues qui sont sur les réseaux sociaux. Les amis, faites très attention. C'est pas parce qu'on parle des clashs, des bœufs qu'il faut ouvrir la bouche et dire n'importe quoi. Contrôlez, vérifiez ce que vous prononcez. Parce que tu peux prononcer un mot qui te met mal à l'aise psychologiquement toute ta vie. Faisons très attention. Écoutons d'abord Gato International. Cabrel, toi aussi qui pars, tu me laisses. Les gens ne comprennent pas ma douleur. Ils vont interpréter ce qu'ils vont interpréter. Ils vont parler ce qu'ils veulent parler. Ils ne vont pas comprendre ma douleur parce qu'ils ne savent pas. Ils t'ont connu quand tu étais star. Je te connais, tu n'étais pas star. C'est moi qui t'a mis dans ce que tu es aujourd'hui. Qu'on t'appelle comédien humoriste. J'ai fait une sortie, c'est vrai, c'était pas décent parce que. Descendre tout le temps pour moi parce que j'étais perdu. Je n'arrivais pas à croire que tu es moi parce que je voulais toujours culpabiliser quelque chose. Je voulais culpabiliser une secte ou bien quoi. Pourtant, c'est parce que tu étais quelqu'un qui avait le talent et tu connaissais chercher. Cabrel, que vous voyez, m'a appris. Aujourd'hui, nous étions deux au Cameroun dans les joyeux anniversaires. Si on n'appelait pas Cabrel en Égypte dans les joyeux anniversaires, on m'appelait. C'est lui qui m'a appris. A fait la talakou. J'étais un meilleur humoriste, mais je ne savais pas que même on pouvait mélanger l'humour et la talakou. C'est Cabrel qui m'a appris. Cabrel, tu as été négligent. Tu roules sans ceinture de sécurité. J'ai eu les informations. Tu vois là qui meurt. Les gens m'ont dit que oh, Gato est monté dedans. Je pleure parce que tu n'as pas compris. Tu as été négligent, Cabrel. Regarde, ton côté, le côté passager était broyé. Ton côté n'avait rien. Si tu avais la ceinture, tu ne mourrais pas. Mais voici. Mais voici. Je me vantais avec toi. Que tu es mon fils, même si on avait des petits conflits, que les gens ne savaient pas que c'était le buzz. On n'avait pas de problème parce qu'on se voyait, on causait. Te voici qui meurt. Je vais encore dire que j'ai quel fils. Parce que tu es le seul fils que j'ai arrêté la main. Tu as reçu Cabrel. Qu'est-ce que tu m'as fait comme ça? Je vais organiser mon deuil. Je veux que mon deuil soit le deuil le plus. Parce que apparemment on me dit que la famille vient avec le corps, il repart à Bangata avec. Moi, je vais organiser mon deuil chez moi, à PK8, au stade de PK8. La diaspora, vous allez venir me soutenir. Je vais mettre d'abord ma part. Vous allez investir parce que vous l'avez aimé. C'est mon fils, j'ai perdu mon fils. J'ai mal parce que beaucoup de gens sont en train d'interpréter beaucoup de choses sans comprendre que c'est la douleur qui m'a fait parler des choses. Reste en paix, Cabrel en Égypte. Tout le talent, tu m'as appris beaucoup de choses. Aujourd'hui, fais les atalakou. Belle femme charismatique, emblématique. Tu as tous les caractéristiques d'une femme qui n'emprunte pas l'éthique. C'est toi qui m'as appris tout ça. Comment vanter quelqu'un, comment vanter un produit, c'est toi qui m'as appris. Moi, je militais justement à faire rire les gens. Je ne savais pas qu'on peut vanter un produit, on gagne de l'argent. C'est toi qui m'as appris, Cabrel en Égypte. J'ai mal parce que les gens ne comprennent rien. Qu'est-ce que je peux faire? Pourquoi tu as été négligent? Pourquoi nos routes? On va accuser même nos routes. Nous-mêmes, il y a la négligence. Les gens ne vont pas comprendre ma douleur. Ils ne vont pas comprendre ce que je vis. Ils vont me juger. Ils vont dire que tu as fait. Ils ne vont pas comprendre ma douleur parce que. Capone et moi, on n'avait jamais de problème. Hein. On a eu cette discussion parce que c'était quelqu'un qui avait. Il était impulsif, mais il n'était pas mauvais dans le. Ils ne vont pas comprendre ma douleur. Ils vont se limiter aux fausses vidéos qu'ils font, qui n'ont pas de. Ils vont me juger, mais ils ne comprennent pas mon cœur. Je suis un hypocrite, c'est un vrai. Cabrel, si je dis à quelqu'un que tu m'as perdu, c'est que je suis méchant. Je donne mes mariages qu'ils font, que les gens disent que c'est mon niveau.
Donne mon marque et fais que les gens disent que c'est mon niveau. Tu m'appuies quand dans du mal, je peux manger. Dès les anniversaires. Dès une société qui vient, je fais les vidéos. Je fais la talaco, on me donne l'argent. C'est toi qui m'as pris ça, Cabrel. Tu pars, tu me laisses maintenant pour que je dise encore que, qui est mon fils. Tu es mon seul fils que j'ai touché, tu as réussi, Cabrel. J'ai mal. Aidez-moi, je veux mourir. Je veux mourir parce que Cabrel n'était pas quelqu'un de mauvais. Il vous dit ça au Dieu. On avait des conflits, il racontait des choses, mais c'était le buzz. On ne connaissait pas le buzz. Mais c'était le seul que j'aimais dans ma vie. Aidez-moi, s'il vous plaît. Je ne peux pas supporter. Je fais cette vidéo déjà pour m'adresser à certaines personnes qui ont été touchées par mon direct. C'est pas parce que j'ai pas reçu d'appel, mais j'ai encore regardé ma vidéo. Vous comprenez que j'étais même pas dans moi tellement. J'avais mal, donc je n'arrivais pas à croire. Je cherchais à mettre le tort sur quelque chose. C'est pour ça que j'ai parlé peut-être du voyage, de ce qui s'est passé avec Cabrel, tout. Mais c'est parce que j'étais troublé. Vous voyez un peu. Je n'en revenais pas. Vous connaissez ce que ça fait mal quand tu perds quelqu'un. Parce qu'on m'a appelé pour me donner l'information. Je ne crois pas que les gens étaient au courant. Je suis la première personne. Je suis l'une des personnes, les premières personnes qu'on a appelées pour annoncer la nouvelle. J'étais troublé. J'ai fait la vidéo en étant traumatisé. Alors, du coup, vraiment, l'état de nos routes, si on ne se lève pas pour ce phénomène des routes enclavées au Cameroun, on va toujours perdre des personnes comme ça. D'abord, une route, la nationale numéro 3, c'est une petite route comme ça. Une petite route comme ça. Il y a de quoi des personnes vont mourir chaque temps parce qu'il n'y a pas la route. Et le peu de routes qu'il y en a, il y a des trous, il y a la piscine olympique. J'ai tellement mal à un niveau. Je fais un direct, je ne sais même pas ce qui m'a même pris, je ne sais même pas ce qu'il disait même. Je vois les pages, on relayait ça, interprété à la façon. Il n'a jamais été, c'est quelqu'un qui était talentueux, c'est quelqu'un qui était talentueux. On soulevait juste les polémiques, les buzz, on créait des petits buzz pour vous faire croire que voilà, il y avait ci, il y avait ça. Mais il n'a jamais fait quelque chose de Il n'a jamais été quelque part où il n'a jamais mis. Parce que pour moi, je voyais son talent. Vous voyez un peu, j'appréciais. Tu peux former un enfant demain, il te dépasse. Ça se fait. Donc, je demande pardon à certains Camerounais que mon direct a un peu fait mal là, vraiment. Ce n'était pas de moi, mais c'est juste que j'avais mal. Vous comprenez un peu l'émotion. Mais dans ça, toujours, il y a des conseils pour la jeunesse. Que même quand vous prenez le volant, essayez d'être doux au volant. Ce n'est pas la vitesse qui donne la vie, non. Ou alors, quand vous savez que vous êtes en état d'ivresse, laissez le volant. Ou alors, marchez toujours. Ne jamais voyager seul. Lorsqu'on est personnel, ne jamais voyager seul. Pas l'une des choses aussi importantes. Parce qu'arrivé, tu es fatigué, tu donnes à l'autre, il roule. Donc, il faut faire les efforts de te toujours accompagner lorsque vous voulez voyager. Je suis désolé vraiment pour ce direct. J'arrange avec cette vidéo pour que vous m'essayez de me pardonner. Et que vous sachiez que non, ce n'est aucun voyage. Ça n'a à faire aucun. Parce que je cherchais vraiment un alibi. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi lui? Non. Je cherchais un alibi avant de raconter son voyage, tout, mais ce n'est pas ça. Donc, je vous demande vraiment pardon. Cabrel Nandji, moi-même, je vais organiser ton deuil comme tu as venu organiser le deuil, ma maman. Je vais organiser ton deuil. J'ai tellement mal. Je promets de faire quelque chose de spécial pour ton deuil. Pour poser en paix mon fils spirituel, Cabrel Nandji. Merci. Merci, Gato, pour ces conseils envers les jeunes. Les amis, j'espère que vous avez compris. Parfois, on fait des choses sur les réseaux sociaux comme ça. C'est le buzz. C'est pour cette raison que je vous dis chaque jour, ne mettez pas les organes sur les tunnels vidéo. Regardez aussi comme ça, seulement parce qu'on fait beaucoup de vidéos, beaucoup plus pour le divertissement. Donc, voilà. J'espère que vous avez bien compris le message de Gato. Gato et moi, les gens pensent qu'on a beaucoup de problèmes. Tout ça, c'est le buzz qu'on fait aussi. Donc, vraiment, je pense qu'à partir de maintenant, on va un peu essayer de contrôler les buzz là, vraiment. Parce que le départ de Cabrel, moi, personnellement, m'a appris beaucoup de choses. Oui, ça m'a appris beaucoup de choses. Merci de partager la vidéo. Je vous l'offre. C'était le général Franco. S'abonnez-vous. Quand vous êtes abonné, bien. Très bien. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Paye ou non? Ok. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.